C'est pour ça qu'il y avait du monde. Ah ouais. Il est parcouru là. Oui, il faut le prendre avant. D'abord et après, pour voir si il n'y a pas d'air. Là. Oui. Vous avez découvert depuis peu que trônait au cœur de nos jardins une statue. Cette réalisation originale, représentant Saint Fiacre, le saint patron des jardiniers, est l'œuvre des compagnons de l'atelier de ferronnerie d'art de Busigny, une section de l'association des familles de cette même ville. Cet atelier est aujourd'hui représenté par M. Daniel Huleux, Gérard Dupré, Gérard Pucala, André Jette et Patrice Lefebvre. Merci messieurs d'avoir répondu favorablement à notre demande et au beau partenariat que nous avons eu ensemble, qui a abouti à cette représentation de Saint Fiacre sous cette forme originale, ce qui était notre souhait. Cette réalisation a été rendue possible grâce à une subvention exceptionnelle du Conseil Général du Nord que nous a fait obtenir notre maire monsieur et ami M. Guy Bricou. Depuis l'ouverture des jardins en 2008, nous nous réunissons tous les ans pour fêter Saint Fiacre autour d'un repas convivial. C'est maintenant sous la protection de notre saint patron des jardiniers que nous fêterons cet événement. Mais qui était Saint Fiacre? Saint Fiacre, c'était un saint ermite d'origine irlandaise. Il est souvent représenté avec une bêche à la main et vécu en Seine-et-Marne au 7e siècle. La légende veut que l'évêque Saint-Faron accepta que pour accueillir les fidèles, Fiacre puisse agrandir son domaine de ce qu'il serait capable d'entourer d'un fossé en une journée. Le moine fit courir sur le sol son bâton et tout ce qu'il toucha se creusa à une vitesse miraculeuse, qui vaut aujourd'hui au petit village Briard de Saint-Fiacre de couvrir 275 hectares. Fiacre le défricheur se consacra à la culture des légumes pour les pèlerins, des plantes médicinales pour les malades et des fleurs pour honorer la Vierge Marie, jusqu'à sa mort le 30 août 670, l'âge que les jardiniers célèbrent aujourd'hui. Voilà pour l'histoire. Je vais laisser Monsieur le Doyen. Monsieur le Président, merci de m'avoir invité pour cette manifestation de ce dimanche. Voilà, je vais bénir votre statue qui est très originale. Je retrouve avec plaisir mon ami et frère scout, André. Voilà, une statue très originale. Saint Fiacre, j'avoue que je ne connaissais pas tellement Saint Fiacre. J'ai regardé sa biographie grâce à Internet. Maintenant, on trouve tout sur Internet. Donc, décédé un 30 août de l'année 670. C'est la même année que notre sainte Maxellane, notre sainte patronne locale, qui elle est décédée le 13 novembre 670. Donc ils étaient contemporains. Petit clin d'œil de l'histoire, contemporains. C'est ces personnages hors du commun qui ont évangélisé nos contrées dans notre France, dans notre Europe. Saint Fiacre qui venait donc d'Irlande ou d'Écosse, un moine irlandais qui est arrivé chez nous pour annoncer l'évangile du Christ. Et puis sainte Maxellane qui était déjà chrétienne ici dans cette ville de Caudry. Voilà, deux personnages importants qui vivaient donc il y a très longtemps, mais leur engagement, leur exemple reste toujours vivant dans nos cœurs, dans nos mémoires et pour les croyants dans nos prières. Alors c'est avec plaisir que je vais maintenant bénir cette statue qui rappellera ce personnage hors du commun, Saint Fiacre, qui vivait donc en Seine-et-Marne et qui est honoré ici, dans ces jardins ouvriers où beaucoup d'amis caudrésiens viennent donc entretenir cette terre, ce don de Dieu. La terre qui nous a été donnée, le monde qui nous a été donné par Dieu pour que nous puissions donc le développer et puis produire fleurs et fruits et légumes. L'occasion nous est donnée aujourd'hui de bénir notre Seigneur Dieu, puisque cette statue de Saint Fiacre et proposé à notre prière ce matin. Oui, ensemble, prions. Prions avec foi Dieu notre Père, qui a donné aux saints et saintes de l'Église d'imiter ton Fils, et qui sanctifie l'Église par la puissance de l'Esprit Saint. Par les dons variés de ta grâce, qui resplendit dans tous les saints, nous te rendons grâce, Seigneur.
Pour les apôtres que tu as placés comme fondation de ton Église, nous te rendons grâce, Seigneur. Pour la foule innombrable des saints et des saintes de l'Église, dont saint Fiacre, qui sont autant de reflets de ton visage, Seigneur, nous te rendons grâce. Dieu, source de toute grâce et de toute sainteté, regarde avec bonté tes enfants rassemblés ce matin dans ce jardin. Ils ont placé ici cette statue de saint Fiacre, leur saint patron, et nous te prions pour eux et pour elles. Puisque saint Fiacre a été un ami du Christ et qu'il partage sa gloire, puisqu'il a été un témoin de la vie selon l'Évangile, qu'il soit notre intercesseur auprès de toi, nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Et je bénis au nom du Seigneur cette statue, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous allons maintenant entendre un chant à saint Fiacre interprété par notre ami de la paroisse et aussi un ami jardinier. Honneur à saint Fiacre, patron des jardiniers, en ce jour de fête, nous voulons t'honorer, et notre exemple dans ta solennité, saint Fiacre, saint Fiacre, patron des jardiniers, toi qui pour tous les pauvres étais si secourable, tu guéris les malades. Maintenant, nous allons passer à la nomination des compagnons de jardiniers de l'année 2015. Rendez-vous incontournable pour nombre d'entre nous. Fêter la Saint-Fiacre, c'est aussi l'occasion d'honorer des membres de l'association pour leur investissement. Alors cette année, les nominés sont M. Maurice Delacour, que je demanderai de nous rapprocher. Monsieur Jean-Claude Pluchard. Monsieur Joseph Zelasco. Oui, Joseph. Monsieur André Noiret. Il savait pas. Alors notre ami Maurice, hein, passionné de jardinage depuis son plus jeune âge. Notre ami Maurice est la mémoire vivante de nos courtiers. Toujours prêt à partager ses expériences, il est toujours de bons conseils et apporte les bonnes réponses à nos questions les plus diverses en matière de jardinage. Ami de tous, notre homme est un vrai puits de sciences naturelles. Et avec notre cher Jean-Claude, dont le jardin ressemble à une véritable esquisse de dentelle dont on en recherche l'aboutissement, on y trouve toutes sortes de légumes, de fleurs, son jardin ressemble à une œuvre vivante qu'il fait évoluer suivant son beau vouloir. Notre homme est un artiste avec qui nous faisons de très belles expositions lors des naturiades et autres manifestations organisées par l'assaut. Quant à notre ami Joseph, lui c'est la force tranquille. Ami de tous, on aime sa compagnie, toujours prêt à rendre service et à aider, présent à toutes nos manifestations aussi et aux travaux des courtis, c'est avec discrétion mais efficacité qu'il œuvre. Joseph, c'est un exemple à suivre. J'ai une petite anecdote, il travaille tellement bien qu'une fois il a perdu ses lunettes. Non, il ne les a pas trouvées. Hein. Quant à notre ami Dédé, enfin André, dit Dédé, on pourrait l'appeler aussi Speedy Gonzalez. Parce que quand vous le voyez passer dans le jardin,
S'il est lui aussi un membre de l'association émérite, il a beaucoup de cordes à son arc, on pourrait dire aussi à sa guitare. Secrétaire de notre asso, notre ami est un jardinier troubadour. Il nous a composé beaucoup de belles ritournelles autour des courtis, dont Macho Garda, dont tout le monde connaît ce, l'air. Notre homme a une imagination débordante. C'est le copain que l'on apprécie. Son jardin, lui, ressemble à une partition de musique. Nos amis sont tous les quatre des compagnons de la première heure, présents depuis l'ouverture des courtis en 2008. D'une très grande moralité, ils sont l'exemple même de la vie collective. Et ils ont largement contribué chacun à leur manière aux prestigieuses récompenses que nous avons obtenues. Voilà pourquoi, mes chers amis, en remerciement de votre investissement à la vie de l'association, j'ai l'honneur de vous nominer compagnon jardinier de l'année 2015. Ouais. Ouais. Comité, vous offrir un petit présent. Merci. Ah, merci Maurice. Et son buvet à canon maintenant. Très chauffé. Bonjour. Voilà. Allez. Attendez, on va. Oui. Je vais me mettre avec eux. Hein. Oui, oui, oui. Oui. Ouais. Et Michel, on va faire jouer les gens qui derrière toi. Attends, là c'est pour ça. Après on en met une. Attends, ils vont pas tomber. Hein. Je suis pas pour voir vous, mais je me mets derrière sur un truc. Il va repasser, il va y aller. Il va y aller. Je vais peut-être le rendre. Ah, il y a des bouteilles sans alcool. Ah, oui. Ah, c'est joli. C'est notre promenade. Hein. C'est sympa, ça, ouais. Bon, bon retour à Hervé. Oui, nous pouvons prendre ce jeune homme-là. Il est capable de se demander. Il n'ose pas. Madame a eu peur. Ah ouais. Parce qu'on avait dit à tous les. Ça va les cuistots? Ça va très bien. Très bien. Il y a des années, on fait le baptême, on a fait le tour de la alors là, c'est. C'est pour le constat d'assurance après, ça va s'occuper. C'est ça, ça me fait un cœur. Touille, Richard, touille. Le souci, est-ce que les serveurs sont prêts? Est-ce que ça sent bon? Tout le monde y est prêt, hein. Ils sont là en train de. Écoute alors. Je veux que tu observes les grands poireaux.
pas de salade. Ah ouais. Voilà, c'était la première année. Maria, et rend pas tout, hein. Bien. Ouais, bien résumé. Nous avons mis à l'honneur notre trésorier qui n'est pas là, Boris. Et j'avais fait une chanson sur l'air du roi des Boris. André, s'il te plaît. Ça fonctionne quand il y a un pois rouge, ça fonctionne. Bon, ben, je te filme. Hein. Ah, moi, c'est bien, Charline. Moi, tu t'intéresses. Au club des jardiniers, des règles bien annoncées. Il y a un président, deux vice-présidents, il y a un secrétaire et des sociétaires. Mais le plus qu'il faut, c'est un trésorier. À la bienvenue, le c'est qu'on sont toujours ajustés. Faut voir ces tableaux et tous ces totaux, ces encaissements, tous ces règlements. Et pour sauver la France, on va voir Iris, ministre des Finances. L'année suivante, nous avons mis à l'honneur nos deux vice-présidents. Gérard, puis un jour ça m'a donné l'idée d'une chanson parce qu'ils étaient à deux là un point, puis sur l'air de si j'étais président de il faut que je me rappelle de la musique parce que si j'étais deux amis sympathiques, piliers de fruits toujours de notre belle équipe. Jackie, surintendant, Gérard, vice-président. Je dois vous avouer, sans être trop critique, que je les ai surpris en discussion comique. En tout bien honneur, les pas diplomatiques. Dans la vie, on est du bon temps. L'amour est souvent le temps qui passe. Donc le, si c'est tout le temps, j'oublie tout ce qui me tracasse. Un bon petit déjeuner, après une heure ou deux de courtier. Voilà, c'est notre secret. On le verra que ta gratitude est plus, toi. Il va me faire rire, fils. On a innové, on a honoré un couple. Ils s'appelaient Martine et Jean-Charles. Jean-Charles, regarde-moi.
dire. Après. Alors, j'ai fait une chanson pour nous tous les jardiniers. Ouais. Groupir. Il y a groupir. C'est marqué comme ça. Restez groupir. Une chanson pour, qui reflète un peu ce qui vous. Thank you.